La Tesla d'Iron Man. Oula, qu'est-ce censé être une Tesla ça? Eh ben on reconnaît pas. Hein. Elle me fait penser à la Pontiac Banshee dans Knight Rider 2000, dans le téléfilm, vous savez, avec David Hasselhoff là. La suite de K2000 en gros. Ils avaient passé ça dans les années 2000. La Knight 4000, c'est un peu le même genre du coup. Il y a un air. Hein. La pop culture s'engouffre partout, même sur l'asphalte, après la Batcar thermique et la Batmobile 100% électrique. C'est l'univers Marvel qui est mis à l'honneur. Des images capturées en France et partagées récemment sur Reddit montrent une Tesla Model S customisée façon Iron Man. De nombreuses modifs ont été réalisées afin que cette dernière colle aux attributs du super-héros. Outre les couleurs rouge, gris, noir et or, on peut distinguer un grand motif bleu sur le capot qui rappelle le réacteur de l'armure du personnage. Par ailleurs, des extensions d'ailes dorées ont été placées au-dessus des roues, lesquelles sont éclairées par des LED violettes. À l'arrière, le pare-choc a été agrémenté de faux pots d'échappement qui n'ont évidemment pas lieu d'être sur une voiture électrique. L'histoire ne dit pas à qui appartient cette Model S super-héroïne, ni quelles sommes ont été investies pour réaliser ces modifs. On peut toutefois affirmer sans crainte que son propriétaire est un fan hardcore d'Iron Man. Bon, alors voyons le Reddit. Il y a d'autres photos là. Ah, mais en plus, elle est immatriculée en France, du coup. Incroyable. Eh bien, c'est moche. C'est très très moche, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est même horrible, quoi, en fait. C'est totalement dégueulasse. Quelle horreur. Franchement, celui qui a fait ça, je ne tire pas mon chapeau parce que c'est vraiment, le résultat est horrible. Ah là là. Bon, bah, je vous laisse commenter. Ciao.